Ça a été juste, mais on a même pas le temps de manger nos ramen, sérieux. Quel bordel on a mis. Hein, quoi? Konami, mets ta garçon vide. Oups, je sens qu'on est allé un petit peu fort avec nos attaques. Il faudrait peut-être envisager de partir là. On est dans le boulera maintenant, barrez-vous. Ça sent roussi. Il faudrait faire le point. Ouais, bon, je récapitule. Petit 1, on commence à faire la première tour des dieux. Petit 2, une aqueuse nous fait dire n'importe quoi en nous autodestorant. Petit 3, Nest est introuvable. Et enfin, petit 4, on se fait attaquer par une guignol d'un de nulle part. Je vois que t'as bon humour, Seiya, mais c'est qui le guignol qui se fait attaquer là? Regardez, mon bâton mystère, il réagit encore. Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Merci, jeune aventurier. Eh, non, ce serait pas déjà croisé il y a pas longtemps? Ben ouais, le capitaine et le marchand. J'avais fait mes provisions pour le bateau, car soudain je me suis fait attaquer par une guilde. Ils étaient à la recherche d'un objet. Je pense que la guilde des Dark Link y est pour quelque chose. La guilde des Dark Link? Ouais, Shina, en fait, ils nous ont attaqué au troisième épisode de la saison 1. Et donc, à cause d'eux, Manu a perdu 30 levels et Céline 84 les a récupérés. C'est bizarre. Je n'ai jamais entendu parler de cette guilde. Et toi, Lancin, tu peux nous en dire un peu plus sur cette guilde-là? Ouais. J'ai vu que dans cette guilde, il y avait un de vos membres. Next! Et tu peux nous dire dans quelle direction ils sont partis? Donc c'était tout droit. À gauche plutôt. Ou à droite. Mon père Castor, tu vas arrêter de dire des histoires? Donc c'était tout droit, d'aller vers le palais Mojo. Le palais Mojo, tu dis? Oh, je connais très bien ce palais, mais attention, on va devoir être très prudent, il y a des gardes qui patrouillent de partout, et si on se fait prendre, c'est illico presto au cachot. Bon, en gros, c'est comme dans Grand Time, il faut éviter les gardes. Ouais, mais c'est pas évident, je me suis fait prendre déjà. Merci l'ancêtre, et en route pour le palais Mojo. La nuit tombe maintenant, on n'a jamais de chance. Attends, je vais jouer le chant du soleil. Ah mince, c'est ballot, j'ai oublié mon ocarina. Bon, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'a dit le capitaine? Ouais, la garde patrouille, et en plus maintenant il pleut. C'est la fête à la grenouille. Bon, avançons doucement, façon Solid Snake. Ah, eux, ils n'étaient pas en 30 millions d'amis. C'est quoi ce Beans? Merci Shina. Eh ben c'était juste. Je ne donne pas cher de vote pour la prochaine fois. C'est bon, la voie est libre, mais restons prudents. Et voilà, on dit des conneries et on tombe. Cassé? Oh, mais je vois que t'as trouvé un passage secret. Vous voyez ce que je vois? Oui, c'est bon, Link 84, on est pas myope. Pas mal la gravité, ça me rappelle un très bon jeu. Link 6440, ne fais pas de spoil s'il te plaît, parce qu'on va se faire encore critiquer par tu sais qui. Ouais, c'est vrai, la gravité me fait perdre la tête. Je perds la raison à chaque fois que je vois Susan aussi, non? Ici, qui aurait une bombe là? Oh, l'autre a une bombe. T'es pas très délicat toi. Hein. T'inquiète, Shina. Je me rappelle que le palais est insonorisé. Ah, je vois que j'ai une bombe. Barrez-vous! Notre plan fonctionne à merveille. Ces noobs ne s'aperçoivent même pas qu'on les manipule. C'est presque trop facile.